when we hit you. We have this. I never believe it. Hello? Pode falar um monte, irmão Jesus. Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Je pense que tout le monde a pris place et que nous pouvons entamer officiellement notre séance. Je m'appelle Anya Gengo et je travaille pour le secrétariat de l'IGF. Et l'une de mes responsabilités principales consiste à accueillir plus de 120 NRI, comme on les appelle. Et ils ont convenu d'un certain nombre d'objectifs et l'organisation consiste à l'organisation de cette séance. Et c'est depuis le sens et je vous prie de m'excuser pour ma voix. Elle n'est pas particulièrement agréable ce matin, mais je ne pense pas que vous allez écouter essentiellement ma voix, car la majorité des collègues ici présents prendront la parole jusqu'à 11h du matin. Je suis ravie qu'à mes côtés, il y ait ma co-animatrice Miliana Kassler de l'Arménie, de l'IGF arménienne, donc, et nous la remercions également de son. Et nous remercions l'aide de nos deux rapporteurs qui vont rédiger un rapport pour cette séance particulièrement complexe, car vu le nombre d'intervenants, cette séance risque d'être particulièrement complexe et vu également, bien entendu, les différences qui peuvent exister entre les différentes régions et les pays. Et nous avons également Tracy Hackshaw et également à mes côtés Joshua de l'IGF de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest vont rédiger donc ces rapports. Et je regrette une chose ce matin, à savoir qu'au fil des années, nous avions toujours deux co-animateurs pour cette séance, à savoir moi-même et Marlene Cade. Et la majorité d'entre vous connaissent Madame Cade, qui a été co-coordinatrice de l'IGF américaine, mais
À l'époque où elle travaillait également au sein du MAG, elle a contribué à renforcer ce réseau qui est devenu un véritable succès. Malheureusement, Marilyn n'a pas été en mesure de se joindre à nous pour des raisons de santé, mais elle nous suit à distance et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'appuyer sur ma co-modératrice en ligne et sur les différents intervenants. Avant d'entamer la partie formelle de cette séance et d'avoir des échanges sur le thème des technologies émergentes, j'aimerais très brièvement vous dire et vous présenter en fait le concept des IGF nationales et régionales. Donc, j'espère que vous pourrez voir la présentation que vous voyez derrière moi. Et si l'on passe au transparent suivant, eh bien, en fait, la formulation la plus simple, c'est que les NRI sont les organisations IGF dans le monde entier. Nous sommes ravis que nous ayons un réseau de plus de 120 NRI avec une approche donc ouverte, de bas en haut, non commerciale, transparence, et qui ont la possibilité d'organiser leur processus sur la gouvernance en ligne, mais également leur réunion annuelle, qui est similaire en fait à l'organisation de cette IGF mondiale. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons récemment d'ailleurs 122 NRI avec plus de 87 pays qui gèrent le IGF, à savoir que nous en avons 17 au niveau régional, 17 organisations de jeunesse, plus les IGF nationales, et c'était très, très important pour notre écosystème. Et si l'on peut passer à la répartition géographique, vous pouvez voir qu'il y a une répartition assez équilibrée des NRI dans le monde entier. À savoir que cela confirme l'IGF dans sa conviction que nous sommes en mesure d'aborder les questions de gouvernance qui sont très différentes, bien entendu, selon les régions et les pays. Nous sommes très fiers d'avoir une excellente communication et collaboration avec tous les NRI qui sont complètement indépendantes, qui ont leurs autonomies. Il y a une bonne conscience également de toutes parts, à savoir que si nous ne travaillons pas ensemble, nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs. Ceci dit, j'aimerais revenir au thème de notre séance et entamer maintenant de manière formelle de cette séance. La préparation a commencé après le 13e IGF de Paris et un certain nombre de technologies ont été identifiées qui pourraient être d'intérêt pour tout le monde et c'est la raison pour laquelle nous abordons ce sujet aujourd'hui. En particulier, il s'agit des interfaces, des technologies au niveau des pays, des régions, sur les aspects de l'inclusion de la sécurité et des droits de l'homme. À présent, je vais prier tout d'abord plusieurs collègues NRI de nous faire un état des lieux et de nous montrer comment est-ce que ces technologies émergentes ne sont pas uniquement ou également réparties dans tous les pays, et de nous faire prendre conscience que les menaces et les défis auxquels nous sommes confrontés sont différents et des préoccupations également, et de voir également donc quel est ce fossé numérique dont nous avons déjà parlé. Et au cours de ces 10-11 derniers mois lors de la préparation de cette étude, une étude a été réalisée en particulier spécialement pour cette session, car l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui est de montrer que les technologies émergentes sont là pour servir les personnes. Et dans certaines parties des pays, effectivement, elles sont au service des personnes avec succès en contribuant à une transformation radicale des conditions du développement social, économique, culturel et même politique. Mais il faut voir également dans des cas concrets comment est-ce que ces technologies ont des impacts sur l'ensemble des personnes et pas uniquement sur les groupes mais également sur les individus. Donc j'aimerais commencer avec l'un ou d'une partie du monde qui profite à l'heure actuelle rapidement de l'introduction de l'accès de la connexion dans de nombreux pays avec l'arrivée de ces différents pays. Donc il s'agit du continent africain et aujourd'hui nous avons avec nous Monsieur McAnafide qui coordonne l'IGF africain et je vais prier donc McAnafide de réfléchir à la diversité donc du continent africain, de nous montrer comment est-ce que ces technologies émergentes sont essentielles pour améliorer les conditions de vie de base. Donc McAn, vous avez la parole. Bonjour à tous et merci Ania, merci de me donner la parole.
Et je vais vous donner un exemple d'IGF africain. Notre réunion avait été tenue au Tchad au mois de septembre 2019 et ce projet a été présenté par le Tchad. Et selon le programme de suivi qui a été diffusé par l'UNICEF concernant les objectifs de ODD, 200 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services d'eau potable. Et 80 pays du monde et 49% de la population, et cela entraîne des maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau, telles que le choléra, mais également le typhus. Et pour le Tchad, 60% de la population boit de l'eau qui vient de l'eau de surface ou de l'eau qui vient de puits. Et les technologies émergentes ont été mises en place pour faire face à cette situation. Elles consistent à mettre en place un serveur central qui fonctionne à l'énergie solaire en utilisant des équipements ultrasons et des drones pour améliorer la qualité de l'eau, de transformer également des informations à un nuage, d'analyser également les résultats du serveur, mais également une consultation en ligne et la diffusion donc des informations, des résultats de cette analyse. Cela permet également d'améliorer la capacité du gouvernement à évaluer les processus de planification. Et cela permet donc de puiser ou de creuser des puits, de construire également des barrages et des forages, et également donc de contribuer à l'éducation, de partager l'information et de fournir à tous une eau de bonne qualité. Et de réduire ainsi la mortalité infantile causée à une mauvaise qualité de l'eau et les maladies qui sont causées par ceci. Le Tchad a utilisé cette méthode dans une seule tente et a proposé d'élargir le projet en 2023 à 5 autres pays africains, ainsi qu'en 2024 à 6 autres pays africains, et en 2025 à 6 autres pays africains, et en 2026, 4 pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Le projet est disponible sur notre site web. Merci, merci beaucoup. Et tout d'abord, je vous remercie de cet exemple absolument fascinant. Et également d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Et vous avez parlé moins de 2 minutes et demie. Je vais prier les autres collègues d'ailleurs d'en faire autant. Donc écoutez, Makan a été très intéressant et vous pouvez voir comment est-ce que la vie des personnes a été transformée. Et beaucoup de personnes partent de près de nous que c'est un acquis parce que nous avons accès à de l'eau potable. Et je vais prier à présent Jeff qui est parmi nous, de nous faire part de la prévue de l'IGF de Vanuatu avec la perspective de votre île, Vanuatu, qui est une île en développement, un pays insulaire avec une nature absolument merveilleuse, avec 280 000 habitants et il y a 120 langues différentes qui sont parties. Ce nombre de langues peut être un facteur également très important de l'utilisation des technologies numériques et les contenus locaux. Et nous allons voir à présent quelles sont les perspectives de votre pays et concernant l'application des technologies émergentes à Vanuatu. Merci de cette occasion qui m'est offerte de pouvoir intervenir lors de cette séance. Et comme vous l'avez déjà partiellement dit, nous sommes un petit pays insulaire dans le Pacifique avec une petite population, mais les défis sont également le fait que nous soyons répartis en fait sur un ensemble, sur un archipel de 83 îles. Et les technologies émergentes sont un petit mot quelque peu à la mode à l'heure actuelle et le gouvernement et les différentes organisations sont déjà confrontés à différents défis concernant ces différentes ou l'utilisation de ces technologies. La première chose qui a été mise en place, ce sont les services de gouvernement électronique, de e-gouvernement et l'utilisation de l'Internet des objets, mais également de drones, ainsi que la chaîne de blocs sont devenus une véritable réalité dans le domaine notamment médical et également une utilisation relativement limitée de l'intelligence artificielle. Et
Il s'agit essentiellement donc de l'utilisation de l'Internet des objets à Vanuatu ainsi que l'utilisation de drones. Quels sont les avantages? Les avantages, eh bien, cela permet d'améliorer les opérations commerciales et de mettre en place également de telles technologies, à savoir des technologies qui soient abordables, qui permettent d'améliorer les processus commerciaux, pardon. Et certaines parties de l'île qui jusqu'à présent ne profitaient pas de services ont la possibilité de le faire à présent avec des téléphones mobiles, mais également d'avoir accès aux médias sociaux. Les médias sociaux ont été une partie importante de l'amélioration de la qualité des services, essentiellement pour les agriculteurs, et cela a un impact considérable sur les personnes, notamment dans les zones isolées. Mais les défis sont souvent associés à des défis. Le défi principal est pour les zones isolées, c'est que ces technologies peuvent être souvent une expérience qui peut être une expérience assez brutale pour certaines personnes. Et les personnes sont très attachées également à la protection de leur vie privée et comme d'autres pays, la sécurité est également une préoccupation. Mais j'aimerais vous faire part d'un cas d'utilisation concret concernant ces technologies émergentes qui a été réalisé par une ONG qui s'appelle Oxfam et qui a mis en place une chaîne de blocs. C'est un service et il s'agissait de services ou une initiative commune en fait qui a été réalisée avec un bailleur de fonds, à savoir le gouvernement australien. Nous avons mis en place un service de soutien en cas de catastrophe et cela a permis donc d'avoir des liens avec des communautés qui étaient localisées dans le port Villa, la capitale. Et vous avez la possibilité d'avoir accès à ces différentes informations. Donc, en cas de catastrophe, pour avoir accès à ce service, et près de 40 000 personnes ont été connectées. Et dans la région de Tala également, nous avons également mis en place un autre système. Et avec de tels services, eh bien, nous voyons les avantages, également les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est quelque chose qui, pour les pays, au niveau gouvernemental, au niveau élevé, c'est quelque chose dont il faudrait discuter. Il y a de nombreuses discussions qui doivent être réalisées, mais en particulier, il y a les politiques en place, des réglementations qui sont là, mais également, il y a également un certain nombre de domaines sur lesquels, ou de défis sur lesquels le pays doit se concentrer. Merci beaucoup, Jeff. Et en utilisant les technologies pour avoir accès à l'eau potable, pour pouvoir réagir aux catastrophes, eh bien, nous allons voir à présent ce qui se passe en Europe de l'Est et de voir quelle est la situation dans le nord de la Macédoine concernant la présence donc, de ces technologies émergentes. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci de nous avoir invités. Nous sommes ravis d'être parmi vous. À savoir que nous sommes un forum très jeune. Et nous sommes un groupe très jeune qui a été mis en place en 2017. Et bien entendu, nous représentons également la région des Balkans. Les technologies émergentes en Macédoine sont très largement diffusées. Les jeunes utilisent Internet. Le taux d'utilisation est de 70% parmi la population. Et ce sont essentiellement les personnes qui utilisent leur téléphone mobile. C'est 80% à peu près. Et c'est quand même un taux de couverture très important pour un tel petit pays. Et les technologies émergentes, c'est les différentes. Augmente constamment dans le pays et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'IGF Macédoine et nous avons organisé un événement avec notre forum annuel qui a été organisé pour la première fois en 2017. L'objectif étant de discuter ouvertement les problèmes de gouvernance d'Internet entre les différents acteurs. Le premier événement annuel a été consacré à l'identité numérique, mais également à la numérisation, à la diplomatie, les services de gouvernance également, la cybersécurité, les différentes méthodes, ainsi qu'un centre de cybersécurité en Macédoine qui a été dirigé. Et en 2018, nous avons discuté les thèmes de la cybersécurité, mais également des services fiables, en mettant en place également trois piliers, techniques, académiques et gouvernementales. Et ultérieurement, cette année, au mois d'octobre, nous nous sommes penchés sur un plan d'action du gouvernement concernant la désinformation, mais également les communautés techniques ont présenté la grande disponibilité des plateformes, ainsi que les aspects de cybersécurité et les droits humains. Et on peut voir dans l'ensemble que l'IGF
du nord de la Macédoine joue un rôle important dans le pays en sensibilisant et en faisant la promotion d'une meilleure compréhension de la gouvernance d'Internet parmi les différentes parties prenantes et en mettant en exergue l'importance des droits humains, l'accès à la technologie et à Internet, la sécurité et la protection de la vie privée. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette perspective particulièrement intéressante. Donc, merci, Prédarac, mettant en accent, en exergue, donc, la situation dans la Macédoine du Nord concernant la protection des internautes. Et à présent, nous allons passer à la région d'Amérique latine et des Caraïbes avec la République dominicaine. Federica est parmi nous, qui va nous faire son rapport pour nous présenter la façon dont les technologies numériques ont un impact sur les personnes dans cette partie du monde. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais parler en espagnol. Bonjour, je vais donc intervenir en espagnol en tant que représentante de l'ISOC de la République dominicaine. Je souhaiterais vous dire que l'influence des nouvelles technologies chez nous est très forte et j'aimerais vous donner un exemple. Chez nous, dans le secteur des transports, il a été très important, mais également lors de l'ouverture de nouveaux marchés. Mais il s'agissait essentiellement de constater qu'en fait, par le passé, les services des taxis fournissaient un très mauvais service et à des prix très élevés. Et grâce aux nouvelles technologies, les choses ont changé. Malgré tout, il est très important de réaliser une analyse pour voir quelles sont les répercussions ces technologies peuvent avoir dans le domaine social, notamment, mais également les répercussions que cela peut avoir sur les groupes vulnérables de notre population. Car d'une part, de telles technologies peuvent être une excellente passerelle, et d'un autre côté, elles ont également des répercussions. Et dans notre cas, les choses se sont déroulées de la façon suivante, à savoir que dans notre pays, nous avons entrepris énormément d'actions car ces technologies n'ont pas été très, très bien comprises par les différents gouvernements successifs. Et au lieu de nous rapprocher les uns des autres et de faire ou d'exploiter à 100% les différents potentiels, eh bien, cela a eu pour conséquence une certaine division de la population. Il s'agissait essentiellement des taxes et impôts qui ont été imposés sur les communications, les télécommunications, et aujourd'hui, on travaille à ce que ce type de taxes soit diminué. Et nous avons voté en ce sens, l'objectif étant que la population puisse ainsi avoir accès à Internet, parce que autrement, bien entendu, c'est un obstacle, surtout lorsqu'il y a autant d'obstacles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à de très nombreux projets depuis 2 ans. Nous sommes très actifs et nous souhaitons mettre en place un groupe local. Et nous travaillons à l'éducation numérique, car les nouvelles technologies sont très importantes pour l'éducation actuelle. Mais nous savons également que nous parlons ou devons parler de technologie, mais que d'un autre côté, bien entendu, nous devons aborder d'autres problèmes. La connectivité dans notre pays, notamment dans les régions rurales, n'est pas garantie à 100%. Et bon, nous pouvons bien entendu tenter de travailler au niveau régional, mais il est important que le gouvernement comprenne que nous vivons, que nous sommes arrivés dans une nouvelle réalité et qu'il s'agit d'un développement que nous devons utiliser, car ce n'est pas un développement hostile, mais un développement très positif, surtout pour nous en tant que pays en voie de développement. Merci de nous avoir apporté cette optique très intéressante de la République
républicaine. Federica nous a donné tout un nombre d'exemples très intéressants. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas suffisamment représentés. Et là, forcément, les nouvelles technologies ne peuvent pas contribuer à une amélioration de la vie quotidienne. Maintenant, j'aimerais m'adresser à l'Italie pour avoir une petite impression sur la contribution des technologies émergentes. Bonjour. Merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole ici. Effectivement, en Italie, c'est très important. Pour l'Italie, c'est très important d'être représenté ici auprès de ce forum. Ce problème fondamental mérite toute notre attention, à savoir l'accessibilité, la disponibilité d'aliments pour chaque individu, donc dans chaque pays. Et cela est également vrai pour les pays industrialisés, les pays prospères. Même dans les grandes agglomérations, dans les villes riches telles que la ville de Berlin, il y a toujours des citoyens qui n'ont pas suffisamment de revenus, qui doivent mendier. Moi, je suis logée dans un hôtel au Alexanderplatz et chaque matin, je rencontre quelqu'un qui me prie, qui réclame un peu d'argent. Nous l'avons déjà entendu de la part de l'Afrique, l'eau potable est une ressource tout à fait centrale. Les denrées alimentaires sont fortement dépendants d'autres ressources naturelles et bien évidemment aussi avec la disponibilité d'eau potable. Et j'aimerais vous faire part de ce que nous avons élaboré en Italie. Il y a un mois, nous sommes réussis à Turin et nous avons discuté sur la question suivante. Comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies d'éthique afin d'améliorer la distribution, la diffusion de denrées alimentaires? Parce que nous sommes confrontés à un problème majeur actuellement. Il y a une partie de la population qui n'a pas suffisamment d'aliments. Et de l'autre côté, il y a une grande partie de la population qui gaspille les produits alimentaires. Dans ce contexte, nous devons également penser aux chaînes de distribution, tout en sachant qu'il s'agit là d'un problème très complexe. Donc, tout au long de la chaîne de distribution, nous devons garantir la sécurité des denrées alimentaires. En même temps, il faut défendre les droits des salariés, donc il faut s'engager en faveur de ceux qui travaillent dans l'agriculture et très concrètement sur les champs. Et cela n'est pas seulement vrai pour l'Italie. Après, il y a également des questions qui sont soulevées en termes de sécurité dans le contexte des nouvelles technologies. Vous le savez, par exemple, que dans nos grandes villes, très souvent, les denrées alimentaires sont distribuées par des cyclistes, sont donc amenées à la maison. Et très souvent, les gens qui travaillent dans ce domaine-là sont exploités. Ils n'ont pas d'assurance sociale, pas d'assurance maladie. C'est la raison pour laquelle, en Italie, nous avons lancé des initiatives qui visent à améliorer la situation de ces personnes-là, d'améliorer leur situation en termes d'assurance et d'améliorer aussi les mécanismes qui sont en place. Nos autorités sont également en train de mettre en place de nouvelles plateformes qui doivent aider ces personnes à améliorer leur situation. Donc, il y a toute une série de nouvelles technologies, la blockchain, l'intelligence artificielle, et ces technologies peuvent également être utilisées tout au long de la chaîne de distribution. Mais avant, il faut quand même mettre en place des régulations, des réglementations adéquates pour éviter toute forme d'abus et d'exploitation.
Et dans ce contexte, c'est l'accessibilité des grandes plateformes qui est également en jeu. Ça, c'est un aspect qui nous tient particulièrement à cœur. Il y a au niveau gouvernemental, il y a un grand nombre de personnes qui s'occupent de ce sujet. Et ce groupe est actuellement en train d'élaborer une législation, que ce soit au niveau local, régional ou national, afin de renforcer les droits des travailleurs. Merci, Madame, de nous avoir cité ces exemples très intéressants. L'Italie est quand même considérée comme un pays industrialisé et malgré ce fait, vous battez toujours pour améliorer la condition de vie d'une très grande partie de la population et d'arriver à un équilibre. Maintenant, j'aimerais passer au Brésil. J'aimerais savoir comment vous traitez le sujet de l'intelligence artificielle, notamment dans les systèmes interconnectés. Donc, je donne la parole au représentant du IGF Brésil. Bonjour, merci Anya de m'avoir invité à prendre la parole et pour vos aimables mots d'introduction. L'IGF brésilien existe depuis 2011. Au cours des deux dernières années, nous avons discuté sur la vie privée, sur la protection des données, les infrastructures, l'interconnectivité, la gouvernance d'Internet et l'écosystème, l'approche multipartite, la sécurité dans la cybersécurité, le développement des capacités, les droits de l'homme, etc. Il y avait plusieurs activités concernant la définition et la mise en place de principes, de lignes directrices, notamment concernant la reconnaissance faciale. Et pour le Brésil, ces principes sont très importants parce que il y a de nombreuses initiatives qui présentent des réserves à cause des problèmes qui sont dus aux problèmes de sécurité de la vie privée. Nous avons réalisé plusieurs études qui ont analysé les effets des systèmes de reconnaissance faciale ou la recherche de photos. Nous avons également discuté sur des outils qui sont utilisés par les autorités de la police, les autorités policières. Et nous avons étudié les effets qu'ont ces outils-là sur les minorités dans la société. L'intelligence artificielle, les systèmes de communication sont considérés comme présentant des risques en matière d'ingérence dans les processus électoraux, par exemple, ou dans le contexte de la propagation des informations erronées. Au cours des dernières années, nous avons constaté qu'il y a de fortes préoccupations concernant un effet trop néfaste de ces technologies dans le processus de démocratisation. Nous poursuivons une approche multipartite qui réunit des experts de différents domaines pour élaborer des stratégies en faveur de la société. Actuellement, il y a un grand débat qui est mené au niveau public concernant la reconnaissance faciale et concernant toute une série d'autres services qui sont actuellement en discussion. Au Brésil, il y a de fortes initiatives en vue de protéger les intérêts des consommateurs. Il y a par exemple un grand nombre d'associations de défense des consommateurs qui nous mettent en garde contre le fait que la reconnaissance faciale est très souvent pas conforme aux droits des citoyens. Merci pour cette présentation très intéressante. Des fois, les technologies nous avancent hein, quelque peu. Vous avez tout à fait raison. Et une telle approche qui est basée sur des recherches peut s'avérer être très utile pour
anticiper des effets néfastes à l'avenir. Et je pense que le Brésil nous donne vraiment un très bon exemple dans ce contexte. Maintenant, je voudrais passer au nord du continent. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Canada et je vous prie de bien vouloir nous présenter vos priorités dans le contexte des nouvelles technologies. Merci, Anya. Je m'appelle Nancy Carter. Je suis la présidente de la commission fiscale du IGF. En 2019, nous nous sommes surtout concentrés sur des problèmes de sécurité de l'Internet des objets. Selon une étude, il y a environ 140 millions de réseaux interconnectés et d'appareils de l'intelligence artificielle et ce nombre augmente constamment. Cela revient à peu près à trois appareils qui sont connectés à Internet des objets par personne. Ces instruments sont très prometteurs, mais bien évidemment, ils présentent des risques. Très souvent, ces aspects de sécurité ne sont pris en considération que trop tard. Ces lacunes de sécurité peuvent également avoir un effet néfaste. Et qui présentent des risques en termes de manipulation et des dangers pour l'ensemble des utilisateurs Internet. L'organisation SEREA essaye d'élaborer des stratégies pour éviter ces dangers. En 2012, l'IGF a également fait appel aux acteurs et a mis la priorité sur le développement de normes de sécurité pour renforcer la sécurité dans ce domaine. On a discuté sur la mise en place de labels, une labellisation, et on a essayé d'identifier des priorités. Dans ce contexte, nous avons également fait appel à des initiatives multilangues. La transparence a été une priorité. Nous poursuivons une approche pan-canadienne . Nous avons donc examiné quels sont les défis actuels en termes de sécurité de ces appareils. Sinon, nous avons mis un accent sur la définition de normes internationales et la convivialité de ces normes. Et cette approche multipartite a été également prioritaire dans nos travaux. Nous avons créé une commission qui devrait contribuer aux travaux des différentes initiatives. L'approche multipartite qui est poursuivie par le Canada c'est essentiel afin d'augmenter la sécurité des données personnelles. Merci, je vous remercie Nancy. Merci d'avoir mentionné le sujet très important que sont les normes. Qu'il faut mettre en place pour servir les utilisateurs. Maintenant, on passe à l'Asie. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Zhu Zhangzheng de la Corée du Sud. Il va nous parler des priorités de la Corée du Sud dans le contexte des nouvelles technologies. La Corée du Sud utilise énormément les nouvelles technologies. Nous faisons de grands efforts pour améliorer la situation. En même temps, nous développons de nouvelles technologies. En 2019, le gouvernement coréen a présenté un plan qui vise à promouvoir une économie numérique basée sur l'éthique.
Et dans ce contexte, il faut surtout travailler sur les aspects sécuritaires. Et prenons également en considération l'intelligence artificielle. Nous avons créé un conseil d'éthique, mis en place une plateforme. C'est très intéressant, très important pour les industries, pour les entreprises qui travaillent dans le domaine d'éthique. Et c'est également un outil très précieux pour les startups. Tout cela s'inscrit dans le contexte d'un processus de données. Parce que nous avons prévu de mettre à disposition au public l'ensemble des données. Dans ce contexte, nous avons donc créé des centres de données qui permettent le traitement et l'analyse des données. Il y a d'énormes quantités de données qui sont utilisées, exploitées dans le contexte des brevets. Le gouvernement a également essayé de modifier la législation sur l'utilisation et l'exploitation des données. Et dans ce contexte, le nouveau règlement sur la protection des données personnelles a été pris en considération. Il s'agit là d'une norme très importante. L'économie numérique qui est basée sur l'éthique est basée sur les données. Et dans ce contexte, la protection des données est essentielle. Le gouvernement coréen essaye également d'instaurer un équilibre ou une conformité entre ces réglementations et l'utilisation des données. De l'autre côté, les technologies émergentes sont liées à des risques de sécurité considérables. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est actuellement en train de faire des essais, des tests. Il vient de lancer une stratégie sur la cybersécurité. Il a adopté une législation pour créer un contexte plus sûr. Donc, nous avons mis en place un système qui prévoit la lutte en temps réel contre des cyberattaques. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. La Corée du Sud a réalisé beaucoup d'investissements dans ce contexte, notamment en faveur des technologies qui sont basées sur l'éthique et l'analyse du big data. En Corée, nous disposons d'une autorité qui est responsable d'Internet, qui doit être capable d'identifier des cyberattaques en temps réel. Les instruments qui sont utilisés dans cette autorité ont été développés par les universités qui sont prêts à partager leur savoir-faire, les meilleures pratiques. Et cette agence nous a permis de lutter efficacement contre des cyberattaques. En même temps, la Corée du Sud travaille d'une manière très intense dans ce contexte. Le sujet de notre sommet sur le numérique a été le suivant. Il faut que tous les acteurs se réunissent pour unir leurs efforts. L'utilisation malveillante des cybertechnologies représente un risque considérable pour la démocratie et aussi pour l'économie. Actuellement, nous nous trouvons dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et numérique. Le gouvernement donc doit prendre au sérieux ce problème parce qu'il va du bien-être de la population. Donc le gouvernement coréen fait un grand effort pour s'attaquer à ces problèmes et qui nous
doivent permettre d'être optimistes en ce qui concerne l'avenir de ces technologies à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir abordé ces questions très intéressantes. On rebondit là sur la Macédoine qui a évoqué également la sécurité pour le pays. Et je pense que c'est une question qui devra nous intéresser pendant fort longtemps encore, même pour les services de santé. Nous concluons par une contribution de la région d'Amérique latine, à savoir de Colombie, avec Caroline, qui ont investi dans des efforts pour améliorer la pénétration d'Internet et pour réformer le secteur TIC dans le pays. Nous souhaiterions savoir quel est le rôle que les technologies émergentes peuvent jouer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être des vôtres au nom de la communauté IGF colombienne. Depuis octobre dernier, nous y œuvrons et nous avons donc choisi les thèmes de la connectivité et de l'inclusion, notamment pour les communautés de réseau. Tous les acteurs colombiens, dans une approche multipartite, sont d'accord pour dire que l'inclusion constitue vraiment le cœur de la démarche. La pénétration d'Internet a atteint plus de 50% de la population colombienne. La fracture numérique existe certes dans la réalité et concerne surtout les femmes et les minorités ethniques. Cela constitue des problèmes sociaux majeurs. Pour cette raison, le ministre des TIC a soumis un projet de réforme qui doit notamment porter sur la question de la fracture numérique avec une connectivité moderne qui doit être mise en place. Et ceci a été très bien reçu, notamment par le secteur privé. Or, ces réseaux de communautés qui travaillent dans la région pour tenter de s'occuper de ce problème du dernier kilomètre en ce qui concerne la connectivité, s'inquiétaient parce que ce cadre législatif ne facilitait pas l'accès direct de ces communautés au spectre. Il y a des réseaux communautaires qui se sont réunis pour battre campagne afin d'être inclus dans la boucle. Inutile de dire que dans ces forums, ces réseaux, ces communautés, il y a des acteurs clés qui viennent vraiment de la racine et ces communautés donc peuvent mieux travailler grâce à ces technologies disponibles pour tout le monde maintenant. Ceci étant posé, ils ont besoin d'avoir accès au spectre. Il faut que la loi le permette ou le facilite. Le modèle permettant de faciliter cela par les communautés de réseau, je ne voudrais pas entrer dans ce détail, mais en Amérique latine, il y a eu une histoire couronnée de succès pour jeter des passerelles à travers cette fracture numérique en créant ce type de modèle. La campagne n'a pas été entièrement satisfaisante parce qu'elle n'a pas réussi à être donc intégrée dans la loi. Encore que les communautés ont été citées. Nous avons maintenant un accès direct à ce spectre. Maintenant, la campagne a quand même pu sensibiliser par rapport à ces problèmes juridiques et le gouvernement, le Congrès et le secteur privé ont bien compris que cet accès direct pour les réseaux communautaires sont très importants. Et donc, il y a eu ouverture d'une fenêtre dans la loi permettant l'élaboration d'un pilote déployé par la société civile et le gouvernement, ou encore un réseau communautaire mobile dans des régions rurales isolées en Colombie. Nous sommes inquiets parce que nous pensons que l'approche devrait être plus large. Nous avons déposé une demande supplémentaire pour demander à la Cour la reconnaissance de cette approche et pour donc toujours rester dans le champ de la Constitution et du droit. Nous verrons quel sera l'arrêt du tribunal
et nous espérons avoir une large reconnaissance des communautés comme étant des acteurs à la base, notamment pour la connectivité. Et dans une perspective multipartite, il serait bon donc d'aller de l'avant justement pour tenter de régler ce problème d'inclusion. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Nous sommes très curieux de savoir ce qu'il en sera au niveau du résultat final par rapport à la connectivité des gens en Colombie. Un projet très intéressant. Merci. Ceci met un terme à la première partie de la séance. Je l'ai dit en amont, l'idée de cette section était de présenter les différentes approches et comment les technologies émergentes peuvent être utiles aux gens dans les différentes régions et comment les priorités divergent beaucoup. Il y a des parties dans le monde où nous utilisons les technologies émergentes pour avoir accès à l'eau potable ou à l'alimentation. Dans d'autres régions, nous les utilisons pour combattre les tsunamis, les séismes et autres catastrophes naturelles. Dans d'autres parties, toujours, l'intelligence artificielle permet d'augmenter la pénétration d'Internet pour que les uns et les autres puissent être connectés, notamment s'ils vivent en zone rurale, là où il est très coûteux de mettre en place des infrastructures. Maintenant, ce sont des exemples très encourageants. Les communautés multipartites, dans plus de 90%, 17 régions organisent leurs IGF régionaux. Et ce n'est pas seulement le fait de savoir l'importance de ces technologies pour transformer nos sociétés. Mais aussi, ces actions concrètes entreprises pour le faire dans une approche multipartite. C'est une très bonne nouvelle et les progrès sont là au niveau de l'application des technologies émergentes à travers les pays. Tracy, j'espère que vous arrivez à suivre au niveau des notes. C'était un débat complexe et le débat sera encore plus complexe pendant la deuxième partie de la séance. Parce que là, nous ouvrons la parole à la salle ou au monde entier. Tout le monde est bienvenu. Ne manquez pas de nous présenter vos idées donc au sein de vos villes, de vos entreprises, de vos pays, où que ce soit. Je vais donner la priorité aux contributions des NRI qui ont soumis des études de cas par écrit, qui feront d'ailleurs l'objet d'une publication unique qui devra sortir peu après cette séance. Il y a 3 microphones dans la salle pour ceux qui ne sont pas installés autour de la table. Alors, pendant que vous réfléchissez à votre prise de parole, je voudrais demander à nos collègues de Bélarus de bien vouloir aborder cette question des technologies émergentes, parce que l'IGF de Bélarus vient de s'intéresser à la question. Alors, quid de la situation dans votre pays? Est-ce qu'il y a des préoccupations, des menaces pour les gens? Merci beaucoup. Ania, donner la parole à Bélarus, qui est heureux de participer au débat. Vous venez de le dire, c'est vrai que nous venons de tenir une réunion il y a 10 jours, pas seulement autour des technologies émergentes, mais d'une façon générale, comment les technologies améliorent l'accès aux données. L'inclusion, comment est-elle perçue et quel type d'inclusion existe-t-il? Nous avons abordé l'inclusion technologique et linguistique. Voici les principales conclusions après l'IGF en Bélarus. Principale conclusion, malgré l'évolution rapide des technologies, il y a une fracture entre le développement technologique du pays et le niveau d'inclusion, pas seulement d'Internet en tant que tel, mais aussi des technologies qui permettent donc de pleinement participer dans le pays à cette évolution technologique. Il y a une version donc obligatoire, mais il y a des entreprises qui ne pensent pas qu'il soit nécessaire de créer des versions pour les personnes âgées ou handicapées visuellement. L'impact
sur donc l'inclusion numérique était une sorte de sondage électronique sur la base d'un système d'identification. Des millions de personnes avaient la possibilité de s'enregistrer pour ce sondage électronique dans le cadre d'un login qui était relativement facile à faire. Donc, tout d'abord, inclusion linguistique, c'était très important. On en a parlé. Date de 2015, lorsque une nouvelle technologie a été lancée à Bélarus. L'accessibilité d'Internet était facilitée pour ceux qui ont des problèmes avec l'alphabet latin. Le cas de ce sondage, qui a utilisé aussi le domaine IDN, était un bon exemple après donc 4 ans d'introduction du domaine Bell. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir abordé le sujet de l'inclusion. C'est vrai que c'est très important, notamment pour les contenus locaux dans des pays. Les États-Unis, bien sûr, constituent, géographiquement parlant, mais politiquement aussi, technologiquement aussi, une partie, donc une région très importante du monde. Je demanderai à Linda, qui est co-présidente, de nous dire quelles sont les priorités pour la communauté aux États-Unis en ce qui concerne les technologies émergentes. Merci beaucoup, Ania. Aux États-Unis, à notre IGF, nous évoquons les technologies émergentes chaque année. Ces derniers temps, c'était surtout l'Internet des objets dont nous avons parlé, avec les applications, l'éthique et la sécurité. Les technologies émergentes qui se situent au centre de l'intérêt aux États-Unis sont l'intelligence artificielle. Les applications, on les voit surtout dans le secteur financier, dans le domaine de l'informatique, de l'éducation et aussi au niveau des technologies concernant le gouvernement. Le gouvernement fédéral a lancé un appel pour approfondir la recherche sur l'intelligence artificielle. Ceci comprend en fait le cœur du dispositif. Que fait l'Internet des choses? Que fait l'intelligence artificielle? Comment peut-elle être utile, notamment au gouvernement fédéral, la Maison Blanche, dans le cadre d'une initiative large de technologie, encourage le secteur privé à se centrer sur le côté moral et éthique et sécurité. La technologie et les parties prenantes universitaires jouent le rôle prédominant. Mais il est important que la société civile et le gouvernement travaillent main dans la main, notamment sur le volet éthique. Il y a des domaines dans lesquels il nous faut plus d'inclusion des parties prenantes, ceux qui représentent tout type d'utilisateurs, notamment les applications touchant toute la population, tout comme notamment les jeunes. Pendant notre séance, nous avons reconnu un besoin de plus de définitions, de plus de standards. Nous avons conclu que cela devrait se faire dans le cadre d'une approche multipartite plutôt que par des lois et réglementations. Nous avons donc à la fois le secteur public, le secteur privé et la société civile qui doivent se réunir pour définir des standards et une éthique, une déontologie. Merci beaucoup, Linda, notamment, d'avoir abordé la question de la déontologie de l'éthique. Je voudrais demander à Lucienne de bien vouloir prendre la parole maintenant parce que l'IGF français, justement, s'est également intéressé à la question de la déontologie il y a quelques mois
Et je fais là référence notamment à une déclaration très importante du président Macron pendant le 14e IGF à Paris l'année dernière, qui porte également sur l'application de ces technologies. Alors, Lucienne, ce concept par rapport aux normes et standards en France, afin de pouvoir comparer avec les standards des États-Unis. Bonjour. Merci beaucoup, Anya, d'avoir soulevé cette question. En effet, c'est le 4 juillet que s'est tenu l'IGF en France. Nous avons organisé plusieurs ateliers, au nombre de 12 pour être concret, et un certain nombre de séances plénières. Nous avons décidé de suivre 4 grandes pistes. Tout d'abord, la numérisation responsable, suite notamment à cette déclaration du président Macron, effectivement, au dernier IGF à Paris, à l'UNESCO. Deuxième piste, l'inclusion numérique. Troisième piste, la gouvernance des données, ce qui fait miroir également à l'IGF global. Dernière piste, entre gouvernance et régulation, réglementation. L'idée à la base est de donner suite à une initiative française. Nous avons annoncé le Paris Go pour la sécurité l'an dernier au IGF en France. Et il y a plusieurs initiatives, dont l'appel de Christchurch, dont la France fait partie, et la lutte contre le terrorisme. Et nous avons des initiatives au niveau local en France, notamment sur la lutte contre l'intox dans le cadre des élections. Il y a un certain nombre de choses qui sont discutées à l'heure qu'il est. Donc, il y a quelques dossiers clés qui font l'objet d'un débat. Tout d'abord, la réglementation des contenus. Vous vous en doutez. Et l'intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée pour la réglementation des contenus, notamment au sein de l'économie. Et en ce qui concerne les discours haineux, un débat est en cours en France afin que toutes les parties prenantes se réunissent pour vraiment discuter de ces questions qui sont très problématiques au niveau des droits humains. Il y a eu plusieurs débats avec notamment la commission française responsable en la matière et qui s'est centrée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes automatisés pour relever des contenus, notamment dans les discours haineux. Voilà, donc nous avons un débat en cours. Et c'est un des éléments à retenir de l'IGF français. Merci. Lucien, thank you. Merci, Lucien. Et j'encourage tout le monde à lire le rapport final de l'IGF France, car il y a de nombreux concepts innovants, mais également des questions qui se posent à nous tous. Et cela est un complément également aux réflexions que nous avons déjà eues sur les normes relatives aux droits de l'homme et la façon dont elles s'appliquent aux nouvelles technologies. Nous allons partir à présent dans le sud-est de l'Europe. Nous avions déjà entendu parler de la Macédoine du Nord, mais il y a un défi également qui se pose à nous tous dans le terme des technologie émergente, c'est qu'il y a cette fracture numérique. Il est toujours difficile d'organiser un forum ou un processus qui aborde les préoccupations de tous et qui adresse les problèmes de l'ensemble de la population et souvent de groupes qui ne se considèrent pas comme étant objets de cette discussion. Beaucoup de personnes ne savent pas utiliser les technologies alors qu'elles y ont accès, donc il s'agit également de l'éducation numérique. Et cette partie de l'Europe est également très intéressante et très diversifiée. Donc nous avons déjà entendu parler de la région des Balkans et à présent nous souhaiterions
nous pencher à présent. Donc, nous souhaiterions avoir de l'aide de l'Europe du Sud-Est. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre région? Nous avons donc Liana qui va intervenir à présent. Et avec le CEDIC, donc, nous allons lui dire ce qui s'y passe. Et dites-nous ce qui se passe dans la région. Et peut-être que vous ne pouvez pas de votre réflexion. Bonjour à tous. Merci. Nous venons d'annoncer que notre prochaine réunion est en Moldavie. Nous sommes une région en développement. Nous ne faisons pas partie des pays les plus développés dans le monde, mais nous soutenons le développement des capacités, les différentes activités dans l'ensemble de la région, et la Moldavie fait partie intégrante de ces efforts. Pour en revenir à la discussion d'aujourd'hui concernant les technologies émergentes, il y a une question que nous devons également aborder aujourd'hui sur la façon dont ces technologies pourraient soutenir l'intégration des groupes vulnérables au niveau national et régional et leur engagement. Et nous avons eu des discussions sur l'accès, donc des technologies numériques qui soient abordables et disponibles pour tous. Et nous avons présenté différents cas et nous avons parlé de la façon dont les technologies ont été utilisées pour soutenir l'inclusion des groupes vulnérables. Et je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et il y a une citation que j'aimerais vous lire. Si pour la majorité des personnes, les technologies facilitent les choses, pour des personnes handicapées, la technologie rend les choses également possibles. Donc, cela montre également ce que la technologie peut faire, notamment ces technologies numériques, pour les groupes vulnérables. Et la Fondation de Roumanie et la Fondation de Vodafone ont développé et mis en place et lancé une application et qui permet de suivre les différents mouvements, les mouvements du visage des utilisateurs. Ils l'utilisent un petit peu comme une souris, en fait, ce qui permet d'utiliser les applications numériques de manière indépendante et permettre aux usagers ainsi, aux utilisateurs handicapés, de pouvoir exercer leur droit à l'éducation et à l'éducation et à la protection de la vie privée en ligne. Parlant à présent de la Roumanie, il y a eu une initiative prise par les organismes de radiodiffusion nationale pour permettre les utilisateurs de pouvoir avoir accès à des contenus par leurs écrans de télévision. Et il s'agissait notamment de l'accès des personnes ayant des difficultés auditives. Et on le connaît déjà d'ailleurs sur des plateformes telles que YouTube, Netflix et d'autres services similaires. Donc ce sont des pratiques qui sont déjà courantes ailleurs. Et concernant la discussion, il y a des cas dans lesquels des personnes handicapées ont eu la possibilité donc de présenter un plaidoyer pour la défense de leurs droits, par exemple en Géorgie. Et nous avons nos collègues qui sont parmi nous aujourd'hui et une ONG locale représentant des personnes malvoyantes qui ont engagé des poursuites contre le ministère de la Santé car leur site web n'était pas accessible pour ces personnes-là. Et leur revendication n'était pas d'avoir une rétribution financière, une contribution financière, mais plutôt d'avoir la possibilité d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les produits numériques devaient également être accessibles aux personnes handicapées. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler qu'en Turquie également, il y avait une initiative d'une ONG d'étudiants turcs malvoyants qui souhaitaient faire en sorte que les personnes à visibilité réduite puissent également avoir la possibilité de passer des examens d'admission pour les universités qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette campagne qui a été menée par les étudiants pour les personnes également malentendantes d'avoir la possibilité également d'assister aux examens et de les passer grâce à des technologies audio qui leur permettent de pouvoir avoir une transcription également en braille. Et nous avons conscience de ces différentes initiatives qui permettent également donc avec des
limitations de pouvoir accéder et exercer leurs droits et accéder donc aux examens. Il nous encourage bien entendu ces différentes personnes à s'engager ici. Il est important que les personnes handicapées aient la possibilité de le faire et c'est quelque chose qui profitera à l'ensemble de la population, bien entendu. Donc merci de nous avoir présenté cette perspective et vous voyez que c'est des pays dont on n'avait pas encore débuté jusqu'à présent et vous voyez que les perspectives sont très différentes et je vous incite également à consulter le site et les messages de CEDIG, S-E-E-D-I-G, qui est le dialogue européen du sud-est de l'Europe sur la gouvernance de l'Internet. Et vous voyez ici qu'il y a différentes initiatives qui ont été prises, notamment les discussions ont été menées également sur le 5G. Et vous voyez également qu'il y a différentes stratégies numériques nationales qui ont été entamées ici. Il est très intéressant de voir vos différentes interventions sur ce point. Nous avons entendu donc à présent beaucoup parler de l'Europe de l'Est. Il y a éventuellement une participante en ligne. Qu'en est-il qui souhaiterait intervenir? Pas un instant. Eh bien, je demanderai à Liana ultérieurement de pouvoir d'intervenir en ligne. Et à présent, nous allons quitter l'Europe et nous allons repartir en Amérique latine. Et il s'agit d'une... La région caribéenne est particulièrement intéressante du fait de sa position géographique. Il y a de très nombreux petits pays insulaires également et qui sont confrontés à de nombreux défis vu leur infrastructure. Et j'ai prié l'IGF du Guatemala, s'ils ne sont pas là, d'être une autre représentante, vous pouvez utiliser le micro, bien entendu, ou vous asseoir à table. Donc, de nous dire quelles sont les priorités au Guatemala, comment voyez-vous les technologies émergentes, donc l'IA. Je suis du Panama, pas du Guatemala, petit rappel. Donc, parlons du Panama et après, je demanderai au Guatemala. Je vais parler en espagnol parce que c'est ma langue maternelle. En 2019, nous avons eu la deuxième édition de l'UGF qui a été organisée au Panama et cette initiative avait été prise en 2017, après que nous ayons été l'hôte de l'UGF pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes. Les thèmes principaux pour la population du Panama et dans l'ensemble de l'Amérique centrale sont les suivants. Le respect de la protection des données personnelles, la protection des données, car nous sommes à proximité de deux grands pays, le Mexique et la Colombie, mais nous n'avons pas de législation qui corresponde à la situation actuelle. Et nous avons également de nombreux problèmes concernant la sécurité de notre région et notre gouvernement souhaite résoudre cela en mettant en place des technologies de surveillance, notamment en mettant en place des caméras dans les grandes villes de notre pays. Et pour nous, c'est beaucoup trop invasif dans la sphère privée de nos concitoyens et concitoyennes. Et là, souvent, il manque des connaissances sur les droits des citoyens concernant ces thèmes. Et le gouvernement pense que c'est la solution de tous les problèmes de la nation. C'est la raison pour laquelle notre IGF s'est concentré sur ce thème. La protection des données, la biométrie, la sphère privée et une sensibilisation de la population afin que les personnes sachent que ces technologies et ces applications technologiques doivent servir les personnes et non pas l'inverse. Comme la chancelière fédérale Angela Merkel l'a mentionné dans son discours introductif. Donc, telles sont nos priorités. Comment souhaitons-nous, le cas échéant, rendre en fait nos grandes villes et Panama City une ville intelligente sans que la sphère privée de nos citoyens soit attaquée? Panama a une situation stratégique entre les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le gouvernement actuel et le gouvernement précédent souhaitent faire de nous une plateforme technologique pour les Amériques. Mais pour ce faire,
Il souhaite que les entreprises aient accès à Panama. Mais pour ce faire, il va falloir que nous remplissions un certain nombre de conditions, pas uniquement des conditions fiscales, mais également au niveau des politiques publiques, afin de promouvoir ces investissements et augmenter l'attrait de notre pays, le Panama. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé une séance pour analyser dans quelle mesure cette technologie pourrait ouvrir ses possibilités tout en protégeant les droits humains pour que Internet soit plus ouvert et plus universel. Au Panama, il existe encore 7 peuples indigènes. Il y en a moins qu'au Guatemala, par exemple, mais nous souhaitons faire en sorte que ces groupes aient accès à Internet. Plusieurs mesures ont été étudiées par la société de l'Internet pour permettre à ces populations indigènes d'avoir accès à Internet pour que Internet soit libre, ouvert et universel pour ces groupes. Et également pour que ces ressources technologiques leur donnent accès à l'emploi et à une meilleure qualité de vie. Donc, c'était le résumé des différents thèmes que nous avons abordé lors de l'UGF 2019 au Panama. Merci Anya pour le travail que tu as réalisé tout au long de l'année pour que ce travail soit réalité. Je souhaitais mentionner, je ne sais pas s'il y a une personne de l'UGF du Guatemala parmi nous, car nous pourrions également avoir une intervention du Guatemala pour pouvoir conclure. Non, manifestement, ce n'est pas le cas. Merci, Léa. Merci beaucoup. Peut-être que nous pourrions rester dans la région avant de retourner en Europe et clore cette partie du programme et vous permettre de poser des questions aux collègues ou nous faire part de vos impressions. Nous avons Roberto de Bolivie, de l'IGF Bolivie, qui a accueilli également l'IGF d'Amérique latine. Et il serait intéressant également que vous nous présentiez également votre perspective du monde et peut-être que vous pourriez avoir une réflexion sur l'Amérique latine, car vous avez accueilli l'IGF régional récemment. Et je sais que de nombreux thèmes ont été discutés avec de nombreux pays, et ce, dans un contexte multipartite. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre éclairage. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit très pertinemment, il y a des différences, bien entendu, entre les différentes régions et également entre les différents pays. Et dans notre cas, je dirais qu'en Bolivie, nous sommes un petit peu au centre. Il y a des efforts isolés ou ponctuels pour gérer le développement de l'Internet des objets. Il y a de nombreuses recherches, projets de recherche universitaires qui sont réalisés. Et ce que nous souhaitions faire l'année dernière d'ailleurs et cette année, était de regrouper les différents acteurs. Et nous avons lancé 4 ateliers. Et nous parlons du travail que nous avons fait, en fait, dans notre section bolivienne. Nous avons travaillé avec le législateur bolivien des télécommunications, avec le ministère, ainsi qu'avec différentes universités. Et notre objectif était de fournir un projet, une ébauche, pour pouvoir faire des tests des appareils de l'Internet des objets. En fait, une ébauche ou un projet de loi pour que les distributeurs soient soumis à un certain nombre de règles. Et ce serait une bonne base pour continuer à travailler sur ce thème. Et il y a encore un thème qui n'a pas été abordé. Et c'est important pour l'inclusion, à savoir que le 5G et les technologies émergentes, donc cette technologie 5G, une fois de plus, nous sommes encore loin d'avoir la 5G dans nos pays, mais nous essayons de recueillir
ou de réunir en fait les différents secteurs en Bolivie. Nous avons eu plusieurs réunions auxquelles nous avons accueilli les différents acteurs pour écouter leurs points de vue respectifs et nous avons constaté que nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne notamment la libération des différents spectres pour permettre les larges bandes. Et une fois de plus, il est important de se rappeler que nous avons encore une autre technologie, par exemple la 4G, que nous n'exploitons pas encore pleinement, ou en tout cas pas autant que nous pourrions le faire en tant que pays. Peut-être du fait du système de facturation que nous avons, et peut-être que nous devrions le changer à l'avenir, car cela soutiendra considérablement l'inclusion des personnes qui ne sont pas encore connectées en Bolivie. Et la même chose s'est produite dans d'autres régions et d'autres pays. Et concernant notre IGF régional, nous n'avons pas eu différents panels sur les technologies émergentes, la majorité portée sur les thèmes de protection de la vie privée. Et il y a eu un panel qui parlait de manière générale de l'innovation, des actions réalisées dans la région, mais ce en termes assez généraux. Et c'est un thème qui n'a pas été abordé, car comme nous l'avons déjà dit au préalable, les situations sont très différentes d'un pays à l'autre sur la façon dont nous gérons les technologies émergentes et comment nous en profitons au mieux. Merci. Merci beaucoup, Roberto, pour avoir donné également cette perspective générale de l'Amérique latine. Il est important pour nous également d'analyser les différents marchés pour ce qui concerne le lancement des technologies émergentes, notamment avec la 5G et l'accès mobile. Merci beaucoup de faire l'accueil. Si vous êtes d'accord, peut-être que nous pourrions clore sur les interventions de l'Europe de l'Est et après des jeunes, parce qu'on a encore une quarantaine de minutes à disposition, donc nous avons encore beaucoup de temps pour que vous ayez le temps d'intervenir. Donc, si vous me permettez, j'aimerais prier. Non. Avant de passer à l'Arménie et l'Ukraine et la Russie, j'aimerais savoir s'il y a un représentant d'Équateur. Oui, vous êtes là. Parfait. Donc, j'aimerais voir s'il y a éventuellement des similarités ou si vos priorités sont complètement différentes de l'intervenant précédent. Merci. Je vais parler de l'Équateur en espagnol, ma langue maternelle. Vu les questions qui ont été posées, il y en a quelques-unes qui ont porté sur les groupes vulnérables. En Équateur, il y a des groupes qui ne sont pas connectés. 60% sont connectés à Internet et le reste ne l'est pas. Qu'en est-il de ces groupes? Les services publics en Équateur transmettent des informations sur les différentes structures familiales. Et ces informations étaient erronées. Les informations du père étaient attribuées aux enfants ou aux grands-parents. Et nous avons 17 millions d'habitants et tous ne sont pas connectés. En Équateur, l'information sur les personnes décédées sont encore disponibles en ligne. Et c'est un problème considérable pour nous. D'autre part, il s'agit également de nouvelles technologies. Et en quelle mesure est-ce que ces nouvelles technologies représentent une menace? Vous savez que dans d'autres groupes, les difficultés des personnes handicapées ont été mentionnées. Et d'ailleurs, il y a eu, pour ainsi dire, une véritable vague du relevé des données biométriques des personnes. Et à présent, il s'agit de l'accès aux services publics.
Et il s'agit également du relevé biométrique des personnes, notamment des personnes handicapées. Et ainsi de réaliser un certain nombre d'actions en ligne sur la base de ces données biométriques. Mais ces données sont disponibles en ligne sans que ces personnes n'aient donné leur accord. Cela signifie que les services publics ont accès à ces données, et ça sans aucune garantie. Que faisons-nous pour empêcher cela ? L'IGF et les différentes parties prenantes ont, lors de notre cinquième séance, pris la décision suivante. Il s'agit tout d'abord de garantir une meilleure protection pour les données personnelles des habitants de notre pays. Et il s'agit également de faire en sorte que les données biométriques soient protégées, en particulier les données des personnes handicapées ou des personnes qui n'ont pas encore atteint leur majorité. Nous oublions souvent que les personnes qui ne sont pas connectées à Internet, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes en ligne. Ça veut dire qu'elles sont utilisées parfois à des fins commerciales. Et il est très important de comprendre qu'il y a un contrat social dans les différents pays et qu'il est important de sensibiliser les personnes à cela et de leur donner accès à Internet et d'assurer également leur éducation. Merci beaucoup. So that's very interesting. Voilà, c'était donc un sujet très important. Et je pense maintenant le moment est venu de clore cette première partie de la session. C'était donc la partie qui était consacrée au sud-est de l'Europe. J'aimerais... Ah, ok, Liliane devient très active à côté de moi. C'est notre animatrice à distance. D'ailleurs, Liliane vient d'organiser un IGF très réussi en Arménie et j'aimerais lui quand même donner l'occasion de parler un petit peu des priorités de l'IGF arménien. Merci beaucoup. Je parle donc au nom du IGF arménien que je coordonne. Les nouvelles technologies ont de nombreux effets sur la société. Ils présentent de nouvelles possibilités, d'opportunités pour mettre en place de nouveaux modèles commerciaux et ils offrent également un énorme potentiel en termes de formation. Le dernier IGF s'est tenu en octobre et à cette occasion, nous avons discuté notamment sur l'augmented reality, donc sur la réalité augmentée. Nous avons réalisé beaucoup de progrès dans ce contexte. Ces nouvelles technologies sont notamment utilisées dans les chaînes de logistique, dans le commerce, dans la production de biens. Un nombre croissant d'entreprises est conscient de l'importance de ces nouvelles technologies et ils sont actuellement en train de développer de nouveaux champs d'application. L'Arménie dispose d'un patrimoine culturel excellent et très vaste. Le ministre arménien de la Culture vient de lancer un projet qui est consacré à des artistes de renom et dans le cadre duquel donc on souhaite rendre accessible l'ensemble des œuvres d'art des artistes principaux. C'est de cette façon qu'on peut mieux accéder au patrimoine culturel qui date depuis quand même 3000 ans, il y a 3000 ans. Il y a donc la possibilité de rendre ces œuvres d'art plus accessibles, plus intéressantes pour les visiteurs qui viennent nous rendre visite de tous les coins du monde. Par ailleurs, nous avons lancé une initiative pour les livres scolaires pour améliorer les possibilités de formation des étudiants. Ce dispositif permet de transmettre des contenus en temps réel
grâce à des visualisations en 3D, par exemple, ce qui contribue à une meilleure compréhension des contenus transmis. Dans ce contexte, les étudiants doivent donc avoir la possibilité de s'informer sur des phénomènes physiques, de mieux comprendre les mécanismes. Et c'est de cette façon qu'on, à l'avenir, souhaite transmettre des informations scolaires. Ça, c'est donc actuellement, c'est la discussion que nous venons mener à l'occasion du dernier IGF. Merci, Liana. Je vous remercie aussi d'avoir mentionné l'importance des jeunes dans ce contexte et l'importance de la formation en termes d'habileté numérique. Bien évidemment, les initiatives régionales et nationales sont très importantes et leur durabilité repose sur une intégration précoce des jeunes dans les processus du développement des nouvelles technologies et de leur utilisation. On espère donc de pouvoir créer de cette sorte un meilleur environnement pour les générations futures. Et ça, c'est également une optique très importante de prendre en considération la perspective des jeunes. Et j'aimerais inviter notre collègue ukrainien de prendre la parole pour nous présenter la perspective du IGF ukrainien. Merci, je m'appelle Valérie. Je viens donc de l'Ukraine et j'ai animé la section des jeunes du IGF. Et je parle ici en tant que représentante du sommet des jeunes du IGF. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Anya, d'avoir soulevé ce sujet important. Ce matin seulement, on s'est réunis avec Wint. Et pour nous, les jeunes, il est très important d'avoir une occasion pour nous exprimer et d'être entendus. Ça, c'est primordial pour nous. Maintenant, très brièvement, j'aimerais parler des acquis que nous avons réalisés cette année. Notre sommet était consacré notamment aux jeunes. Nous avions invité un groupe d'écoliers de Bizoldiata qui a réalisé une étude. Ils ont effectivement analysé des sites du gouvernement pour voir si ces sites sont accessibles pour des personnes malvoyantes. Et il faut dire que tout le monde n'a pas été content des résultats. Mais je suis quand même très contente et très fière de pouvoir vous dire que nous avons justement réalisé ce premier pas pour vraiment ancrer ce sujet de l'inclusion sociale à un niveau supérieur et plus élevé. Et moi, j'aimerais vous montrer le point suivant. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs intéressés de s'engager en faveur de cet objectif subordonné, parce que c'est uniquement ensemble qu'on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je vous remercie. Merci, c'était très émouvant et je pense que c'est effectivement une information très essentielle pour notre rapport, parce que le sujet n'est pas seulement intéressant pour les jeunes, mais l'ensemble de la communauté IGF. C'est dans ce sens que j'aimerais donc clore cette partie de la session. L'IGF russe vient de célébrer son 10e anniversaire. Maintenant, je voudrais donc passer la parole au représentant de la Russie qui va nous faire part de l'évolution qui a vu le jour en Russie. Je vous remercie. Permettez-moi de parler en russe parce qu'il s'agit là de ma langue maternelle. J'aimerais donc vous présenter le IGF russe.
Effectivement, Internet est un aspect tout à fait crucial. Nous venons célébrer le 50e anniversaire d'Internet. Et par ailleurs, il y a 25 années, la Fédération russe a mis en place le nom de MNRU. Tout d'abord, ce domaine était uniquement réservé aux institutions de recherche. Et maintenant, nous disposons d'un écosystème unique qui présente toute une diversité de services et de serveurs, tels que des réseaux sociaux, des serveurs pour les services postaux, pour les plateformes de commerce en ligne, etc. Dans ce contexte, il convient de souligner que dans notre optique, l'Internet russe reste une partie intégrante de du réseau mondial. Nous sommes ouverts pour des startups, pour des investissements, et ce caractère ouvert est une priorité pour le gouvernement de notre pays. Ce principe a été également défendu par un responsable éminent du gouvernement, et il a également souligné lors du dernier forum que nous avons organisé. Il s'agit du centre de coordination pour les noms de domaine russes. Cette institution a la mission de justement développer et organiser la distribution de noms de domaines en Russie. Il est très important de comprendre que, afin de sécuriser toutes les transactions qui se passent sur Internet, nous devons avoir accès aux technologies adéquates, comme par exemple l'intelligence artificielle. Inutile de dire qu'il s'agit là d'une priorité de notre forum. Les résultats ont été pris en considération lors du développement de la stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle qui a été confirmée par Vladimir Poutine. Une autre question centrale est la protection des données et la lutte contre la criminalité en ligne. Nous pensons qu'on ne peut atteindre une solution optimale qu'en coopérant au niveau international. Dans ce contexte, il est nécessaire de créer des groupes de travail permanents qui représentent les différents gouvernements pour trouver des consensus, des solutions équilibrées qui représente les intérêts des différents acteurs. À notre avis, l'approche multipartite a fait ses preuves pour résoudre les questions que soulève Internet et pour l'élaboration des bases juridiques. Pour conclure, j'aimerais dire que les mesures de régulation sont essentielles pour augmenter la sécurité des transactions qui se passent sur Internet. De l'autre côté, il faut prendre en considération les incitations en faveur d'une évolution supplémentaire des technologies. Cela devrait rester un contexte intéressant et attractif pour tous les acteurs intéressés. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette contribution de la Russie. Apparemment, les données revêtent une importance cruciale partout dans le monde. La Russie est un très bon exemple pour la coopération internationale. La communauté des différents acteurs intéressés est très important, mais également les représentants gouvernementaux. Je pense que tous les intervenants ont pris la parole. Merci de nous avoir donné toutes ces contributions très intéressantes. Il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole.
Tout d'abord Chabana de l'Afghanistan et puis Romain. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci, Anya. Je suis désolée, nous sommes arrivés un petit peu en retard. Tout d'abord, j'aimerais brièvement parler de l'histoire de l'IGF en Afghanistan. Nous avons donc un IGF national qui est une sorte de plateforme pour un dialogue multipartite sur les sujets qui concernent Internet en Afghanistan. L'IGF de l'Afghanistan a été fondé en 2017 et a été reconnu par le secrétariat général des Nations Unies. Pour nous, il est crucial d'augmenter la prise de conscience, la conscience pour l'importance d'Internet et d'adopter une approche multipartite. En 2017, nous avons organisé notre première conférence qui a réuni de nombreux experts afin de discuter sur la gouvernance d'Internet. En 2018, nous avons organisé un deuxième sommet qui s'est tenu au mois de mai. Le troisième sommet du IGF s'est tenu en 2019 avec 500 participants de la communauté technique, avec des représentants du gouvernement, des entreprises, de la société civile. Pourquoi est-ce que l'IGF 2019 a été si réussi? Eh bien, nous avons abordé toute une série de questions telles que l'accessibilité, la rentabilité, le caractère abordable d'intérêt, l'égalité des chances, l'approche multipartite. Et effectivement, nous devons également souligner que l'IGF d'Afghanistan est le seul forum à avoir créé une académie pour les enfants. C'est quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire. Lors de la troisième conférence en 2019, nous avons parlé de la vie privée, de la protection des données. Cinq ateliers ont été consacrés à ce sujet. Et puis nous avons discuté de la gouvernance d'Internet avec des représentants des médias. Nous avons discuté également de l'accessibilité aux différents contenus et également des nouvelles technologies. J'aimerais juste faire la remarque qu'on a retransmis en direct votre sommet et il faut vraiment le souligner, c'était un sommet tout à fait passionnant, très intéressant. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus en détail sur les contenus, sur les sujets principaux de ce sommet? Effectivement, nous avons parlé de l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets et à cette fin, nous avons convoqué des représentants du gouvernement et ainsi que des représentants du secteur de l'économie privée. Nous nous sommes surtout penchés sur la mise en place des infrastructures nécessaires, sur l'accessibilité et sur le prix de l'utilisation très concrète d'Internet. Merci. Je pense sous peu le rapport sur ce troisième sommet sera accessible sur votre site web. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant Jean, j'aimerais passer la parole à Roman de la Russie. Il représente donc le gouvernement russe. Merci chers collègues. C'était vraiment très intéressant de vous écoutez, vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et on peut vraiment beaucoup apprendre des expériences que vous avez faites.
Et c'est également très précieux, un contenu très précieux pour les forums à venir. J'aimerais ajouter que nous avons également organisé une conférence à Vladivostok, donc cette partie du monde est également représentée dans la communauté. À l'extérieur, vous avez également un stand que vous pouvez visiter, qui représente un petit peu nos activités. Un grand nombre d'idées qui ont été présentées lors du dernier sommet à Paris, le contrat pour Internet, donc le Contract for the Web, qui vient d'être présenté par le ministre fédéral Altmaier et Joe Case. Donc toutes ces idées-là sont très précieuse. Nous avons également repris tous ces sujets, donc veuillez nous rendre visite à notre stand et je vous invite également à soutenir nos collègues de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Biélorussie. J'ai été fortement impressionnée de la participation des jeunes et par leur contribution, je pense qu'il est effectivement primordial de protéger notre patrimoine culturel, de protéger nos langues, nos différentes langues, et d'utiliser à cette fin les nouvelles technologies qui voient le jour. Je voudrais proposer de nous inviter mutuellement dans la région eurasiatique pour mieux, encore mieux échanger nos idées. Alors vous êtes vraiment tous les bienvenus de nous rendre visite lors de la prochaine conférence. Merci beaucoup. Les pins que vous voyez sur la carte, c'est pour le secrétariat et les différents emplacements, en fait, des IGF dans le monde. Nous avons quelques collègues installés autour de la table, certes, mais il y a aussi ceux qui attendent de pouvoir prendre la parole. Alors tout d'abord, Marie, et je sais que vous aussi vous attendiez, et Shabana ensuite. Merci, Ania. Je suis très heureuse de cet échange que nous menons ici. Je m'appelle Marie Oudema, je suis du Nigeria, donc de l'IGF Nigeria précisément, et celui d'Afrique occidentale également. Au sein de notre communauté, ce qui nous tient à cœur, c'est l'apport des nouvelles technologies pour les gens et aussi les problèmes qui émergent. Nous en avons. Il y a des communautés, des grandes entreprises de téléphonie, par exemple, qui arrivent avec des drones pour apporter de l'eau à nos fermes, ainsi que des engrais. Et donc, cela a des conséquences sur nos fermes. Voilà ce que les nouvelles technologies peuvent, par exemple, nous apporter. Il nous faut encore résoudre les problèmes de sécurité. En ce qui concerne la propriété, par exemple, et la vie, ainsi que des problèmes de pouvoir. Peut-être que les nouvelles technologies peuvent servir en la matière. Donc, il faut vraiment procéder à un échange. Et le réseau NRI devrait s'intéresser, par exemple, au réseautage, à la coopération, la façon de s'entraider. Et j'aime beaucoup ce que fait l'IGF italienne et l'IGF du Tchad et de la Russie. Est-ce qu'on pourrait aussi travailler entre les séances pour nous échanger, pour voir si les entreprises de technologie, par exemple, qui travaillent dans une partie du monde, si elles pouvaient éventuellement venir aussi dans d'autres parties du monde. Merci beaucoup. Oui, une coopération pour aboutir à un dialogue. Oui, je crois que là, cette séance nous permettra vraiment d'aller de l'avant en la matière et de déboucher sur des résultats concrets des projets. Nous avons une collègue qui attend, puis ensuite Sandra. Bonjour. Je m'appelle Lily Adenan, je suis du Ghana. Et donc, je travaille au sein de l'IGF ghanéen.
J'arrive d'une réunion avec Vint, comme elle l'a dit, c'était vraiment très intéressant et nos débats étaient très fructueux. Les technologies émergentes, oui, c'était donc l'avenir du travail, les postes de travail numériques et l'inclusion, tels étaient nos grands dossiers. C'est vrai que la révolution industrielle était là dans un premier temps et chez nous, maintenant, donc les technologies émergentes vont encore révolutionner la donne. L'infrastructure, en fait, déterminera en fait l'avenir. Et donc, c'est là, ce sont là nos travaux au sein de l'IGF ghanéen. Donc, si cela vous intéresse, ne manquez pas de venir nous voir. Il y a peut-être des craintes comme quoi les technologies émergentes vont prendre tout le travail. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, elles offrent de nouvelles opportunités, notamment pour les jeunes. Voilà autour de quoi tourner nos débats. Nous avons ensuite... nous avons tenu une réunion, en fait, sur les... technologies émergentes, notamment en Afrique. Comment faire face aux limitations qui sont les nôtres en raison de nos emplacements géologiques? Et comment pouvons-nous profiter des avantages qu'apportent les technologies émergentes telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle? La continuité est une chose importante. Il faut mettre en œuvre les revendications. Qui va, ceci étant, financer la démarche? Qui va donner des prêts? Comment pouvons-nous faire avancer ces projets? Nous avons discuté depuis avril de cette année et nous sommes heureux, éventuellement, de lancer d'autres initiatives aussi partant d'ici. Merci beaucoup pour cet apport du Ghana à la séance. Très intéressant et important. Sandra est là de l'URADEC, donc de l'IGF européen. Sandra a la parole. Merci beaucoup, Anya. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter la bienvenue à mon pays. Je suis allemande. Toutes ces informations que vous nous fournissez, c'est très intéressant pour nous, ici en Allemagne également. Donc, merci beaucoup de nous faire part des conclusions de vos réunions. Qu'est-ce qui a été discuté à l'Eurodic de l'année dernière? Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous pouvez vous procurer ces informations sur la toile. Permettez-moi de vous brosser un tableau de ce qui nous attend. Et je voudrais rebondir sur deux aspects. Tout d'abord, lorsqu'on évoque les technologies émergentes et la façon dont on peut les intégrer dans notre vie, il y a un groupe qui joue un rôle important, à savoir les parlementaires de vos pays. Vous l'aurez peut-être reconnu, nous avons beaucoup de députés, notamment du Sud, ici, au sein de l'IGF. Je vous encourage à les rencontrer. C'est peut-être demain matin, pendant la séance principale sur le volet juridique, que vous pourrez les rencontrer, parce qu'il est très important de savoir quelles seront les conclusions qu'ils ramèneront vers leur pays. Deuxièmement, à la lumière du débat et des conclusions du rapport de haut niveau, je voudrais saisir l'opportunité que nous aurons aujourd'hui pendant le déjeuner à côté de l'IGF global au sein du RODIC d'évoquer le processus de transformation. Nous en parlerons à midi et notamment les IGF régionaux doivent réfléchir à la signification de ce rapport pour nos travaux à venir. L'IGF d'Amérique latine a réalisé un recueil de ces initiatives et nous
tenant compte des résultats de la démarche donc des Nations Unies pour savoir aussi quels seront les impacts pour les différents groupes et puis ensuite débattre de la conclusion pour nos travaux. Ce sera pendant le déjeuner dans la salle 1 et je vous y attends. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup aussi d'avoir évoqué le cas des parlementaires et c'est vrai que cette démarche a vraiment été couronnée de succès. C'est une très belle chose que tous ces députés soient ici présents. Donc si cela vous intéresse, ne manquez pas de me contacter ou de connecter Sandra, parce que c'est vraiment une opportunité formidable pour engager un contact, un débat avec les parlementaires de vos pays. Sur cette toile de fond, je vous propose de continuer. Il nous reste 5 minutes officielles, plus 5 minutes de dépassement. Il nous reste donc 10 minutes. Merci beaucoup. Je suis de la Fédération russe et je représente la société civile. Mon nom est Alexandre. En Russie, les technologies émergentes, etc., n'ont pas encore donné lieu à un vrai IGF. En fait, le contrôle se fait par le gouvernement. Il n'y a pas vraiment de débat qui se tient. Il n'y a même pas eu de microphone ouvert. L'IGF, la réunion IGF russe, a été contrôlée par le gouvernement. Et donc, je me demande comment sont vraiment menées les initiatives NRI. Je voudrais remercier M. Lénine et M. Tchoukov qui représentent le gouvernement, qui sont venus là et qui ont parlé avec courage. Je voudrais citer quelques technologies émergentes qui n'ont pas encore cité. Tout d'abord, la censure massive avec l'aide du gouvernement et en plus la reconnaissance faciale, la répression basée sur les posts d'Internet ainsi que la fermeture d'Internet. Et j'espère qu'avec l'aide du secrétariat de l'IGF, l'an prochain, notre IGF sera vraiment multipartite et que nous pourrons vraiment aborder toutes les technologies émergentes réelles, comme le font d'autres IGF. C'est vrai qu'il y a eu d'autres exemples qui étaient bien plus évocateurs. En Géorgie, par exemple, en Ukraine, où la société civile russe a également pu être présente pour débattre de ce problème. Merci pour vos apports. Là, nous évoquons les technologies émergentes, et donc je vous propose d'en rester là. Et il y a 120 NRI qui travaillent, qui ont travaillé de façon très active depuis 9 mois pour organiser cette séance. Et je vous prie de respecter leur travail et de continuer de nous concentrer sur les technologies émergentes et de ne pas divaguer. Voilà. Ce sont des déclarations. Il n'y a pas de contrôle des NRI, pas du tout. Nous coopérons avec les NRI. Nous veillons à ce que les principes soient respectés, notamment pour la Russie. Je dois dire que notre contact n'a pas été avec une seule personne, mais vraiment avec la communauté multipartite. Nous n'avons peut-être pas toujours les mêmes apports. Mais en tout cas, nos bureaux sont toujours ouverts pour tout type de débat. N'hésitez pas à passer nous voir. Bien, en 20 secondes, oui. Merci beaucoup. Alexander, oui, bon, nous nous connaissons, nous nous parlons. Je vous ai vu à notre forum. Je n'étais pas l'un des organisateurs, mais on m'a demandé gentiment d'animer une des séances. Il y a eu beaucoup de questions de la part de différentes parties
multipartite, donc je ne vois pas pourquoi on critiquerait ce forum. Au contraire, je vous invite tous à venir participer. Moi, je suis jeune, je ne représente pas le gouvernement, je représente moi aussi la société civile. Mais voilà, c'est une bonne chose que d'intervenir. Voilà, venez nous voir en Russie. Et je partage une partie de vos préoccupations par rapport à l'avenir, parce qu'il est vrai que la gouvernance Internet n'est pas toujours interprétée de la même façon. Il peut y avoir des approches de censure, etc. Je ne vois aucune censure en Russie. Nous pouvons pleinement nous exprimer. Et vous ici, vos sites Internet fonctionnent, vos canaux Instagram et autres fonctionnent aussi. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi vous faites de tels commentaires. Voilà, essayons donc de joindre nos forces pour vraiment créer une approche multipartite. Merci, merci, Roman. Voilà, travaillons main dans la main. Tout d'abord, sur l'APJF, il pourrait y avoir un lien avec l'IGF russe. Mais je voudrais vraiment que vous vous concentriez sur les technologies émergentes. On a travaillé là-dessus pendant un an pratiquement, et c'est tout le respect que nous devons aux organisateurs de cette séance que de vouloir bien de vouloir nous concentrer sur ce sujet. Merci, Anya. Je suis Jennifer Chang. Je fais partie du secrétariat de l'IGF Asie-Pacifique. Je voudrais remercier les collègues qui ont cité l'APJF à plusieurs reprises. Nous l'avons entendu de différents collègues, ceux notamment qui ont participé l'an dernier. Nous avions l'IGF de Russie qui nous a accueillis cette année, ce qui correspondait à leurs 10 ans. Et donc, ils étaient d'excellents hôtes. Nous avons eu des débats très vivants, comme différentes personnes l'ont dit. Donc, c'était un vrai plaisir. Et l'an prochain, nous irons au Népal. Donc, vous constatez qu'il y a beaucoup de diversité en Asie-Pacifique. Les défis auxquels nous faisons face sont tellement multiples que lorsqu'on évoque les technologies émergentes, c'est vraiment le quatrième grand élément. Maintenant, nous nous sommes réunis à Vladivostok pour parler d'éthique derrière les ordinateurs. C'est vrai que, nous l'avons entendu, il y a eu un débat autour de l'éthique ailleurs aussi. Nous avons eu un débat très animé. Une bonne approche a été retenue donc, par rapport à l'éthique et l'intégration dans les curriculums d'éducation. Donc, l'intelligence artificielle, l'éthique n'est pas statique, les normes sociales évoluent en fonction des innovations et la remise en question de cette éthique. Et autre élément abordé, l'approche multipartite pour la gouvernance de ce qu'on appelle les crypto assets. C'est un sujet un petit peu nouveau. Les actifs, pour ainsi dire, crypto. C'est quelque chose qui est ouvert de pair à pair. Il y a trois barrières d'entrée pour les nouveaux arrivants. Donc, c'était intéressant d'écouter comment la gouvernance de ceci peut évoluer. Nous avons évoqué des incidents de sécurité dans la région APAC, du phishing par email, etc. Nous avons reçu la perspective des régulateurs du Japon, puisqu'ils avaient les résultats de la réunion des gouverneurs des banques centrales et ministres des Finances, où ils ont abordé un système financier basé sur la blockchain, avec trois grands sujets abordés. Le maintien de la sécurité financière, la protection des investisseurs et consommateurs, et aussi la poursuite des crimes financiers cyber. Ensuite, la sécurité, l'Internet des objets. C'est quelque chose qui est cher à beaucoup, parce que beaucoup de NRI, en fait, s'y intéressent de près. Nous avons évoqué notamment la perspective de l'utilisateur final. Nous avons reçu des mises à jour de Taïwan, où ils ont un projet IoT, Internet des objets, pour les besoins de sécurité dans l'écosystème informatique. Comment donc s'attaquer aux problèmes de sécurité? Autre débat animé,
autour de la résolution 68-167 des Nations Unies par rapport à une surveillance arbitraire et illégale ou interception de communications, tout comme la collection de données personnelles illégales. Donc des atteintes à la vie privée et à la liberté, ce qui va contre les principes de la démocratie. Un débat très animé et finalement un concept d'une société IA. Comment le faire pour le bien de tous? Donc comment s'attaquer aux problèmes autour de l'intelligence artificielle? Il faudrait plutôt se baser sur les besoins de l'homme et pas sur l'appât du gain. Donc un pilotage responsable par rapport à l'IA et comment est-ce que cela peut se retrouver aussi dans les politiques nationales et une coopération en la matière. Nous avons abordé également les défis lancés à la coordination globale de l'IA, comment améliorer aussi les soins de santé, la santé publique grâce à l'IA et aussi des données pour réaliser les ODD. Je vous invite tous à la PIAGEF de l'année prochaine. Nous nous réunissons en effet donc au Népal, à Katmandou, et vous y êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Jennifer, et j'espère que nous nous y retrouverons en personne ou en ligne. Voilà, l'heure tourne. J'aimerais bien, évidemment, vous permettre de prendre la parole, mais je vous prie d'être vraiment très bref. Une minute pour vos contributions. Nous avons aussi une contribution en ligne, n'est-ce pas, Liana? Est-ce que c'est un commentaire? En effet, c'est un commentaire d'Alexander Chambayer de Macédoine du Nord. Beau débat ici sur les technologies émergentes et l'acceptation universelle. Nous évoquons les différentes idées là-bas. Et le ministre de la Société de l'Information prépare un grand projet sur la numérisation pour améliorer la vie des citoyens, pour une meilleure communication, aussi au niveau des services sociaux. Le slogan, c'est « Go Digital ». Et le gouvernement, en fait, a beaucoup contribué depuis le dernier IGF en Macédoine du Nord. Donc, c'est un débat qui peut se tenir en différentes langues. Et les nouvelles technologies permettent à tout le monde de comprendre directement. Voilà, donc c'est un progrès majeur que ces technologies. Merci beaucoup, Liana, de nous avoir lu cette contribution de Skopje. Alors, deux collègues, je vous prie de vraiment être concis, parce que nous avons une autre séance principale ici. Nous devrons donc leur céder la place. Merci. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je tenterai d'être très bref. Je commencerai par une confession. Je ne représente pas une NRI. Je suis des Maldives. Et si vous regardez la grande carte, vous ne nous trouverez pas, parce que nous n'y sommes pas. Nous sommes un pays où la masse terrestre constitue 1% de nos océans. On parle souvent de nous comme un petit État en développement. Nous nous considérons comme étant un grand État océanique qui se développe. Nous avons beaucoup de défis. Nous sommes très inspirés. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous sommes inspirés par ce qui se passe au plan régional, mais aussi international à travers l'ISIGF. Nous souhaitons en 2020 tenir notre première réunion IGF propre. Nous souhaitons être en contact avec nos partenaires. Les technologies émergentes détiennent en fait la clé de notre survie. Nous souhaiterions que ces technologies émergentes soient discutées, notamment au niveau des technologies de pointe. Question de sécurité des transports, de la sécurité de l'énergie et celle de la survie au changement climatique. Merci encore une fois de nous avoir invités, inspirés, et nous sommes très heureux de faire partie de cette famille. Merci beaucoup. Je vous propose de se reparler aujourd'hui ou demain par rapport à donc, votre représentation. Ce serait très bien
qu'on y travaille. Donc, c'est une très belle nouvelle que vous souhaitiez créer votre IGF régional. Voilà, prochain commentaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me donner la parole. Je serai brève. Je voudrais savoir s'il était possible pour annoncer les standards éthiques des stratégies de développement, de citer aussi l'élément de la transparence des stratégies afin que l'on puisse participer pour réduire les abus.